espace pourtant il n'y a pas de problème, il y a très peu de... Vu la loi fondamentale, vu le code électoral de la République, le ministre de l'administration du territoire et des affaires politiques informe que la campagne électorale est ouverte à compter de ce jeudi et prendra fin le 29 novembre. La Cour suprême est chargée de veiller à la régularité de la campagne électorale, à l'égalité des candidats ou l'utilisation des moyens de propagande dans les conditions déterminées par la loi. Parquia, signé le ministre de l'administration du territoire et des affaires politiques. Ah bon? Donc bientôt les élections? Merci bien, je suis très content de vous. Merci bien. D'accord. Merci. Voilà, madame, mesdemoiselles et messieurs, ce matin, si vous nous voyez aujourd'hui ici, c'est pour vous présenter notre parti, le parti qui s'appelle PPP. C'est le parti pour le peuple. Ce parti a été créé, ça fait des années. Et ce parti est représenté dans tout le pays. Et ce parti est prêt à vous aider. Le parti peut vous aider à avoir du riz. Le parti a pris une décision de creuser plusieurs puits pour vous tous. Ça, c'est pour résoudre le problème d'eau. Le parti a décidé d'acheter des motos pour tous les membres. Et d'ailleurs, cette fois-ci, nous avons décidé de mettre à votre disposition un budget de fonctionnement pour vous permettre d'aller dans les villages les plus reculés. Autre chose, et nous avons décidé encore d'unir tout le monde afin que notre parti soit très grand et que nous remportons les élections. Je vous remercie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Maintenant, je vous promets, si je gagne les élections, vous, en tant que directeur de la campagne, je vais vous acheter une voiture. Et vous, chacun de vous aura 1 kg de riz. Pour le moment, je m'arrête là. Et il y a beaucoup de choses qui viennent. Problème de faire, là, c'est fini dans ce pays-là. Fini dans ce pays. Vive le PPP! 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 Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Très content de vous. Merci bien. Merci bien. Merci. Merci bien. Thank you.
télévision nationale. Nous sommes là ce matin, nous venons d'apprendre que vous avez créé un parti politique qui s'appelle le PNA. Donc, que veut dire PNA, s'il vous plaît? Merci. D'abord, je vous souhaite la bienvenue. Comme vous venez de le dire, le PNA, c'est le parti des non-alignés. Un parti qui a comme vision de rassembler tous les fils et filles de ce pays sans aucune discrimination aucune. Donc c'est un parti qui a été créé depuis le 11 février 2006 et que nous envisageons vraiment à contribuer activement pour le développement de ce pays. Merci. Et vu en ce moment les problèmes qui fatiguent notre peuple, le courant, l'eau et le grand banditisme, quelles sont les mesures préventives que vous prenez en ce moment? Quand on regarde aujourd'hui la situation d'eau et d'électricité de ce pays, c'est vraiment alarmant. Un pays qui est taxé du château d'eau de l'Afrique occidentale. Les populations ne trouvent pas de l'eau propre pour la boire. Très bien. Ça. C'est très dommage. Donc, par rapport à ça, il est très important. Nous avons envisagé ça, c'est bien. De réaliser des barrages hydroélectriques qui vont permettre non seulement l'irrigation par rapport à l'agriculture, mais aussi permettre à tout le pays, j'ai dit tout le pays entièrement, à avoir de l'eau de façon courante. Maintenant, quand dans l'électricité, vous prenez le fleuve Gongouré, il y a d'autres fleuves qui sont là où il y a vraiment de grandes capacités, donc nous allons réaliser des barrages qui vont nous permettre même d'exporter le courant à travers. Il ne croyait pas avoir un tel leader dans le pays. Ok, merci docteur Nou de nous avoir accordé votre temps. Et nous vous remercions, nous sommes franchement satisfaits de votre programme. Et merci, à la prochaine. Mesdames et messieurs, c'était docteur Nou, le président du parti PNA, parti de Nonyarini, dans son bureau. Il peut résoudre les services sociaux de base. Il ne croyait pas avoir un tel leader dans mon pays. Je sais que faire. Je ne vais même plus réfléchir. Je vais adhérer à son parti. Moi, monsieur Paré, une voiture. C'était mon rêve le plus absolu. Ce parti-là, je serai membre, je serai adhérent. Je vais adhérer à ce parti-là. Hein? Attendez d'abord. Ah! Moi, monsieur Paré, une voiture. Vous savez, c'est l'intérêt qui lie les hommes. Ce parti-là. Hey. C'est vrai, tu parles avec qui ici? Madame, il y a du nouveau. Ah bon? Tu sais, aujourd'hui, je suis allé assister au meeting de notre leader. Notre leader, là, il nous a promis aujourd'hui qu'il enverra ici des tonnes de riz, du sucre. Du riz? Oui. Je suis sûr que le monsieur là va gagner parce que le monde a faim. En plus de ça, des centaines de motos, moi, j'aurai une voiture parce que je serai membre exécutif. Une voiture? Oui. Pour mon mari? Oui. Je suis de tout cœur avec toi. D'ailleurs, comment s'appelle ce parti? Ce parti s'appelle PPP. PPP, ça veut dire quoi ça? Parti pour le peuple. Ah mon mari, moi je suis d'accord avec toi parce que bientôt on aura des dizaines de sacs de riz à la maison. Bien sûr. Et je ne veux pas marcher pour aller au marché. Tu sais, avec la conjoncture là aussi. Au mari, je dois aller au marché. Ah, oui. La défense. Tu m'as rappelé. Quelque chose qui va suffire. Voilà. Et tu diras aussi au boucher là de faire très bien maintenant. Il n'y a pas de problème. Les enfants sont à l'école. D'accord. Frère, mon frère n'est pas là. C'est qui? Ah, bonjour mon frère. Bonjour, ça va? Ça va? Ça va bien. Va bien? Ouais, s'il te plaît, prenez place. Merci. Ça va? Ça va, ça va bien. Et la famille? Bon, la famille va bien. Et merci. Madame vient de partir au marché. Les enfants sont partis à l'école. Ah bon? Ouais. Et chez vous? Ah, ça va. Tu vois ton fils Ibrahim là. Je te conseille de bien t'occuper de lui. Lui, il est parti chez moi la fois dernière. Je lui ai fait une dictée de 20 lignes. Et il a fait zéro faute. Tu sais, c'est l'homonyme de mon grand-père, de notre grand-père. Oui, tu sais. Il était intelligent. Oui, c'est héréditaire. Oui.
Ça va? Ça tombe juste là. Tu sais, j'étais parti suivre le meeting de notre parti aujourd'hui. Ah bon? Oui. Notre parti qui s'appelle PP. Parti pour le peuple. Ah, PPP. Oui. Ça, c'est bien. Mais je te dis, aujourd'hui, le leader qui était là-bas, le leader là nous a promis là-bas aujourd'hui, mon frère, qu'il enverra ici des tonnes de riz, du sucre, qu'il va distribuer des centaines de motos. En tant que membre du bureau, j'aurai une voiture. C'est pourquoi j'ai pensé à toi. J'ai dit, quand je verrai mon petit frère, je lui dirai de rentrer dans le parti là, parce qu'il y a de l'intérêt. C'est l'intérêt qui lie les hommes, ou bien? Grand frère, c'est dans ce même ordre d'idée que je suis venu chez toi pour te dire que moi, si je fais partie d'un parti présentement, j'ai suivi un meeting à la télé. L'opposant qui était là, il m'a vraiment convaincu. Son parti s'appelle le PNA. Il peut résoudre le problème d'eau, d'électricité, de santé, ainsi que tout ce que nous avons comme problème à l'heure là. Lui, vraiment, j'ai confiance en lui et il est crédible. Mon frère, ce que je vais te dire en tant que grand frère, moi, partout, moi je vais partir, c'est là-bas que tu dois partir. Parce que je suis l'aîné de la famille. Tu te rappelles? Quand je t'ai envoyé à l'école, je t'avais toujours aimé. Donc tu dois me suivre. Laisse les partis là. Suis-moi. C'est moi qui suis ton grand frère. Quand je te dis de rentrer dans mon parti, rentre là-bas. Ne pense pas aux autres. Mon frère, as-tu pensé à un paysan qui se trouve dans un village lointain, qui n'a pas cette opportunité que tu as aujourd'hui? Crois-tu que cet opposant, en envoyant des tonnes de riz pour ceux qui sont à côté de lui, peut faire l'affaire de tout le pays? Oh, c'est mon intérêt que je vois. Non, mon frère, il ne faut pas choisir un opposant, parce que toi, ton intérêt est là. Mais plutôt, mets l'intérêt collectif devant. C'est plus important pour nous. Si tu vois que notre pays est en retard jusqu'à présent, c'est parce que nous avons privilégié l'intérêt individuel par rapport à l'intérêt collectif. Mon frère, ce que je vais te dire, moi, personne ne m'a envoyé ici. Moi, je suis venu chercher pour moi ici. Moi, je m'en fous de l'intérêt collectif. C'est l'intérêt qui lie les hommes. Je te dis ça. Problème de parti politique. Si tu sais que tu n'as pas d'intérêt, pourquoi tu vas? Parce qu'il a un programme pour tout le monde. Moi, je m'en fous de ça. Moi, c'est mon intérêt que je sauvegarde ici. Parce que personne ne me nourrit ici. Toi, tu sais, quand je t'ai envoyé à l'école, en ce moment, je souffrais. Mais aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité d'avoir une voiture. Qu'en pensez-vous cela? Toi, si tu veux, il ne faut pas me suivre. Mais moi, ce qui reste clair, je suis derrière mon idée. D'ailleurs, comme il est l'heure de la prière, on va prier. Il y a la bouilloire ici. Non, je suis déjà en ablution. Je suis déjà en ablution. Ah, d'accord. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum. Ah, ya, puisque tu es le grand frère, fais la bénédiction pour nous. Merci. Ça fait la bismillah. Je prie le bon Dieu. Amen. Que cette année, amen, dans notre pays, amen,
que les élections se passent dans de très bonnes conditions. Amen. Et que mon parti remporte la victoire. Rabana Atina Wafilagarat. Vous en avez fini. Bon, puisqu'au niveau de Dieu, on ne sait pas qui est le plus aimé, moi, si je veux faire la bénédiction. Il n'y a pas de problème. Je prie Dieu que notre pays soit un pays de paix. Amen. Que notre pays soit un pays prospère. Amen. Que les élections se déroulent sans violence. Amen. Et que mon parti remporte les élections avec 98,50% de voix. Quoi? Écoutez. Écoutez. Écoutez ce que je te dis là. Tu n'es pas venu chez moi ici pour bénir un parti. Mais ça n'est assez. D'ailleurs, plus on s'en va. Plus on s'en va. Plus on s'en va. Je sais que tu tiens à ton idée là. Mais je vais te demander d'abord. Je vais te demander d'abord. Ton parti là, le leader de ce parti là, est de quelle ethnie? Le leader de mon parti? Oui. Il est de l'ethnie Zumka. Tu vois? Ne suis pas un leader qui n'est pas de ton ethnie. Chez nous ici, tu connais? Chacun suit le leader de son ethnie. Toi, tu n'es pas parti. Tu refuses de rentrer dans le parti de notre ethnie. Mais comme tu tiens à ton idée là, je sais qu'on va se séparer à queue de poisson. Mais ce n'est pas les ethnies qui vont faire l'affaire de ce pays. Hé, mon frère, qu'il soit de l'ethnie Zoro ou Zumka, c'est lui qui peut faire l'affaire de ce pays. Nous devons voter pour celui-ci. C'est l'ethnocentrisme là qui a détruit notre pays. Nous remarquons tous que les Zoro ne votent que pour le leader Zoro, les Zumka ne votent que pour le leader Zumka. Et vraiment, ça, c'est pas bon. Si c'est lui qui peut faire l'affaire de notre pays et qu'il a un programme approprié à tout le pays, est Zoro, c'est pas parce que je suis Zoro, mais j'allais adhérer à ses idées. Mais puisque c'est lui qui m'a monté un programme plus intéressant est Zumka, j'adhère à ses idées. Cela ne vaut pas la peine de discuter pour rien, mon frère. Tu n'as rien compris. Moi, là où je travaille, mon directeur, là, c'est quelqu'un qui a fait une école normale. Tandis que moi, j'ai fait une étude supérieure. Mais aujourd'hui, il me coiffe. Pourquoi? C'est parce que c'est son ethnie qui est au pouvoir. Comme toi, tu suis les autres, là. Tu verras. Tu verras. D'ailleurs, je vais t'informer ici. Je vais te dire, à partir de l'instant, là, tant que tu ne rentres pas dans mon parti, là, je ne te considérerai plus comme un frère. Quant à ta famille, je ne peux voir personne. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ah bon, mon frère? Tu veux me renier à cause d'un parti politique? Mais non, mon frère, s'il te plaît. Cela ne vaut pas la peine de nous séparer. Mon frère, chacun a le libre choix d'adhérer au parti qu'il veut. Et c'est le devoir de son prochain de respecter son opinion. Ce n'est pas parce que tu es mon frère que je dois forcément adhérer à ton parti. Non. Toi qui es là, tu peux adhérer à un parti. Ta femme adhère à un autre parti. Tes enfants adhèrent au parti qu'ils veulent. Cela ne veut pas dire que nous allons nous séparer. Ces partis politiques-là, ils sont venus, ils nous ont trouvés ici. Ils vont nous laisser ici. Si nous nous séparons à cause de ça, vraiment, nous allons le regretter. Hein? Hey, ce que je vais te dire, moi, ma femme n'ose pas rentrer dans un autre parti. Si ce n'est pas mon parti, elle le fait, je le fous dehors. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Toi, comme tu ne peux pas me comprendre, d'ailleurs, je n'ai pas besoin de ta discussion. Hey, puisque c'est comme ça, moi, si je m'en vais. Tu as bien fait de quitter. Si je t'avais trouvé ici, diplôme, c'est grâce à moi. Tu vois que tu me parles parti politique. Parce que j'étais foutu à l'école, c'est ça. Mais tu le verras. Regarde-moi, c'est bien ça. C'est bien ça. Il me verra comme le soleil. Diplôme, parti. Tu dois t'y mettre plus que qui. Hé, M. Bay, pourquoi c'est écrit? Toujours des cris. Il y a quoi? Mon petit frère, il vient de quitter ici tout de suite, là. Tu sais, le matin, c'est ce que je t'avais dit là. Pour les partis là. À propos de notre leader là.
Il est dit que le leader nous a promis que chacun de nous aura ici des tonnes de riz, du sucre. Il va distribuer ici des centaines de motos. Comme j'ai pensé à lui, pour ne pas qu'il reste comme ça, sans profiter, je ne le fais pas. Il me parle d'un parti politique. Il oublie que le parti dont moi je suis membre, c'est le parti de notre ethnie. Il va échouer un autre parti là-bas. Et le parti de quelle ethnie là-bas? Il faut voir le bureau. Mon directeur, il est de ce parti. C'est parce que c'est son ethnie, c'est pourquoi on l'a nommé directeur. Sinon, moi, j'ai fait mes études supérieures. Mais ce que je vais te dire, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir avec mon petit frère. C'est comme si c'était déjà fait. Moi, je t'ai toujours dit que ton petit frère, il est égoïste. Il a toujours été contre ton bonheur. Mais comme tu n'as pas voulu m'écouter, voilà les conséquences. Et puis, il a une méchante femme. Quand nos enfants vont chez elle pour regarder la télé, il y a sa femme qui les chasse. C'est vrai ça? Et tu savais pas? Quand je te dis, tu me dis c'est mon frère de sang, c'est mon frère de ceci, c'est mon frère de cela. C'est bien fait pour toi. Maintenant, ce que je vais te dire, dis à nos enfants de couper toute relation avec ses enfants, de ne plus aller chez lui là-bas. C'est comme si c'était déjà fait, ne t'en fais même pas. Parce que le jour que je verrai son enfant là ici, son enfant là, hein, il va me connaître. Il va me connaître. Ne dis rien. Ne t'en fais pas pour ça. Mais s'il te plaît, faut pas te mettre dans cette situation à cause de ton frère. S'il te plaît, ok? Les enfants ne sont pas encore de retour. Si, si, ils sont à l'intérieur là. Ils sont à l'intérieur. Je veux me changer et je veux venir préparer. Hein? D'accord. Quel diplôme? Parti, parti. Il ne connaît même pas ce qu'il dit. Parti, parti. La politique, c'est quoi? C'est pas l'art de tromper. Il a gardé cela. C'est un maudit. C'est un maudit. Lui, il ne va jamais gagner dans sa vie. Mais il le verra. Je t'avais dit qu'aujourd'hui matin, je devais partir chez mon grand frère pour lui parler de mon parti, non? Tout à fait. Arrivé là-bas, nous avons discuté de ça et là, et je lui ai fait part de mon adhésion au PNA. Mais j'ai trouvé que lui aussi, déjà, il était partisan de notre parti du nom de PPP. Mais le problème a été qu'nous ne nous sommes pas compris parce qu'il a voulu coûte que coûte que j'adhère à son parti parce qu'il est mon grand frère. Et qu'il a toujours défendu mon intérêt. Vraiment. Je lui ai dit que cela ne valait pas la peine, que chacun pouvait adhérer au parti qu'il voulait. Le pire a été qu'il m'a renié. À la fin, moi, ma femme, mes amis et toutes mes connaissances. Il ne veut voir personne chez lui. Et que le jour où il ne veut pas, ça ira mal entre nous. C'est inquiétant. Vraiment. Cela m'a beaucoup inquiété, mais puisque j'ai vu que la tension commençait à monter, j'ai essayé de rentrer à la maison parce qu'aujourd'hui, vraiment, ma journée ne pouvait pas bien continuer. Mais tu sais à quoi, mon mari? Sûrement, s'il a dit tout ça,
C'est parce qu'il était vraiment sur ses nerfs. Il ne sait même pas d'y penser, ne considère pas. Peut-être que demain, quand tu vas repartir, il sera plus sur ses nerfs. C'est ce que moi aussi je me suis dit, que c'est parce qu'il était de mauvaise humeur. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu vraiment qu'on se comprenne. Mais demain, j'irai chez lui pour voir si nous pouvons trouver un meilleur terrain d'entente. En tout cas, c'est mieux. D'ailleurs, est-ce qu'Alpha est là? Oui, il est là. Je lui ai même donné des devoirs. Alpha! Mais Alpha! Oui, qu'est-ce que tu fais là à la maison? J'espère que tu as déjà fini de faire tes devoirs. Vaut rien que tu aies. Tu sais même pas calculer, cas. Bonjour, papa. Bonjour, Alpha. Ça va? Ça va. Ton père qui t'appelle. Qu'est-ce que tu faisais tout ce temps-là à la maison? Ma maman m'a donné des devoirs à faire, j'étais en train de traiter. Tu as fini de les traiter? Oui, papa. Envoie, je vais vérifier. Chérie, il faut que tu revoies vraiment son calme. Tu sais les tout nouveaux voisins qui sont à côté là. Franchement, j'ai des sérieux problèmes avec leurs enfants. C'est des enfants qui sont très très impolis. Donc ils commencent à entraîner Alpha dans un mauvais chemin. La dernière fois, ils sont sortis le matin, ils sont revenus qu'à 18h. Ah bon? Quand tu es allé à mission là, à Zélé-Corée, tu vois. Donc essaie de voir son affaire. Franchement, ça va pas. J'arrive. Quand je le parle maintenant, il commence à répondre n'importe comment. Pourquoi tu ne me parles de ça qu'aujourd'hui? Regarde comment ton cœur est chiffonné. Ton cœur est comme toi. Alpha, regarde-moi très bien. C'est la culotte là que j'ai lavée hier. Oui, maman. Pour qui tu me prends? Hein? C'est ce que j'ai lavé hier. C'est pas possible. Tu peux même pas écrire monde. C'est comme ça que mon professeur m'a montré. Comment ton professeur appelle le mot monde? M-A-O-N-D-E. Regardez-moi ça. Tu sais que tu commences à désapprendre. Mais je vais m'occuper de ton cas personnellement. Regardez-moi ça. C'est pas toi, c'est moi. C'est pas toi. C'est parce que je t'ai donné le temps maintenant de trop jouer. Regarde comment tu fais une rédaction, s'il te plaît. Prends ce cahier avec moi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, là, tu ne vas pas sortir de la maison. À partir d'aujourd'hui, le jour où Digital va te trouver derrière la côte, tu auras affaire à moi. Quitte devant moi. Chérie, si tu prends tous les soucis là sur ta tête là, tu vas vraiment beaucoup souffrir. Essaye de mettre tout ça à côté et pense à ce qui va venir. Hein? Je n'ai pas envie que tu aies la mine comme ça. Ouais, ça va passer, chérie. Non. Ça va passer. Et avec le petit, je vais essayer de le faire réviser. Je vais m'occuper de son cas personnellement. Ne t'en fais pas pour ça. Non, je veux dire, comme je suis en congé, je vais essayer de travailler avec lui. D'accord? Ça me fera beaucoup plaisir. Non, comme ça, moi, je vais aller tenir la cuisine. Ouais. Comme ça. C'est mon père qui m'a commissionné d'aller acheter une fence. Comme tu n'as pas eu l'occasion de sortir tous ces jours-là. Oui. Alors je te donne que 2 minutes. Je suis là, je t'attends. Ne fais même pas 2 minutes là-bas. Si tu t'hasardes à retarder, ça va mal tourner entre toi et moi. Sure.
formation de service est apparemment vraiment très bien faite. Regarde, il y a trop de piment. Il y a trop de piment. Tu sais que tu ne manges pas le piment, toi aussi. Hier, il y avait trop de sel. Aujourd'hui, tu me parles trop de piment. Je suis désolée. Non, tu sais que moi, j'ai la gastrique. Je suis désolée. Il y a trop de piment. Je suis désolée, il faut manger. Bonjour, mon oncle. Bonjour, ma tante. De toucher à ce riz. C'est à toi que je parle. Oui, ma tante. C'est ton père qui a levé la défense ici. C'est toi. C'est ta faute. Attends, attendez, attendez. Depuis qu'un crapaud dans l'avion. Hein? Tu vois? Ton père t'a pas parlé. Non, c'est sa mère qui l'a mis. Tu vois maintenant ce que je t'ai dit? Qui t'a donné ça? C'est mon père qui m'a donné. C'est ton père ou c'est ta mère qui t'a donné c'est ça? C'est mon père qui m'a donné. Ah ouais. Non, regardez, il y a l'enseigne de l'air parti ici. Tu as vu l'enseigne de l'air parti? Il est venu pour t'insulter. Oui, son père l'a dit. Porte ça, tu passes devant mon grand frère pour lui montrer que moi, j'ai mon parti. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. À partir d'aujourd'hui, à partir de l'instant, je ne suis plus ton homme. Tu n'es plus mon neveu. Ton père, lui, n'est plus mon frère. Parce que je lui ai dit de rentrer dans mon parti, il a refusé. Et en plus de tout ça, il a osé de t'étonner le t-shirt là, le t-shirt, regardez. C'est mon père qui m'a commissionné d'aller acheter du pain. Ça, c'est de quelle impolitesse ça? Je parle, tu parles. Depuis quand? Regarde-moi ça. Et écoute-moi, frère, ce que je vais te dire. Je ne veux plus te voir chez moi. Regarde, c'est ça, c'est quelle manière ça? Ça, c'est qu'il ne faut plus venir. Je t'ai dit, je verrai quelqu'un chez moi ici. Il a même coupé mon appétit. Impoli qui était. Tu penses que c'est ton père qui a donné la dépense là? Monsieur Bar, je ne te mets pas à crier, c'est ta faute. Sinon, je t'avais bien dit d'arrêter ça, mais tu n'as pas voulu. Non, c'est ma faute. Tu as raison. Tu as raison. Hier à la cérémonie, je me suis rencontrée avec sa maman. Elle a voulu me saluer. Je ne l'ai même pas regardée. C'est comme si c'était un bois qui était arrêté devant moi. Moi, j'ai fait mon mieux. Tu me dis de les abandonner. Toi, tu es là, toujours collaborer avec eux. C'est bon pour toi. Non, c'est ça que tu m'as toujours obéi. Mais, mon petit... Attends, quelqu'un chez moi ici. Le sang va couler. Lui, il me verra comme le soleil. En tout cas, il ne faut pas laisser. Comme ton frère t'a montré qu'il ne t'aime pas, il ne faut pas lui pardonner. Si tu le pardonnes, moi, je m'en vais. Si tu te retournes avec ton frère, je te quitte à jamais. Je te préviens. Je t'ai dit la même coupée, mon petit. C'est pas la peine ça. Des enfants mal éduqués comme ça. Tu verras ici. C'est pas toi, mon frère. Et comment elle t'a blessé? Pourquoi elle t'a blessé? Parce qu'il a vu le fichier du parti politique sur mon t-shirt, il m'a blessé. Il a déchiré mon t-shirt. Mon frère pouvait tout faire sauf ça. C'est mon frère qui t'a blessé. Je me rappelle. À partir d'aujourd'hui, tant que tu ne rentres pas dans mon parti là, je ne te considérerai plus comme un frère. Quant à ta famille, je ne peux voir personne chez moi. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Il m'avait rien dit en tant que frère, mais je ne crois pas qu'il puisse te faire ça. Maintenant, moi, allons demander. Allons demander. Je suis sûr. On va partager tout ce qui. Je suis sûr. Bon, c'est pas possible. Il ne peut pas faire ça. C'est pas possible. Mais ça, c'est grave. Attendez. Ça va bien? C'est mon fils qui est parti chez moi. Madame Marie, c'est à vous que je parle. Yeah. Si, tu me touches. Qui l'a frappé? C'est mon fils, toi qui as frappé mon fils à 100. Pourquoi tu me demandes? C'est moi? Tu me demandes? C'est toi qui as frappé mon fils à 100. C'est ce que je veux connaître. Je m'en fous. J'ai bien fait. Mon frère, je ne croyais pas que toi tu puisses faire ça. Si, je le fais. Je ne croyais pas que toi tu puisses faire ça. Et si, je le fais. Ton enfant, là, c'est un impoli. Quel que soit son impoli, tu ne devais pas le mettre à 100. Attends-moi. Tu ne devais pas le mettre à 100. C'est pas normal. Toi, mon frère. Ça se fait. Allons-y, on va aller chez le conseiller. C'est bien le conseiller. On va aller chez le conseiller.